Test. Sound. Un de test 1, un test check sound. Thank you.
sein. Ach, tu es. Un de test 1. Oui. Ça marche. De combien se déplace. Donc en fait, les nains vont répéter les tests. Donc tu dis que j'ai organisé le truc. Il y a deux ou trois choses qui vont de façon. À notre époque, c'était davantage. Oui, je sais. Donc, elle est cool, c'est pas ça. Elle est cool, c'est spécial. Mais après, ça fait. En tout cas, merci d'être venu. Ah, mais c'est un plaisir. Alors, j'ai pas le droit d'utiliser le mot impressionné. Il me l'a interdit. Donc, je n'ai pas. Attends, on a la chance d'avoir Louis. Et j'imagine mon bizarre, oui. Impressionné. Tout le monde est impressionné. Mais tu vois ce que je veux dire. Surtout que moi j'ai connu Ben Guéry en 86, avec la tournée des ingénieurs. Exact. Et je me souviens de Ben Guéry. Je suis venu en 86. Donc tu vois le jour et la nuit. Non, le jour et la nuit. C'est évident et c'est toujours beau comme Jésus. Et ça marche. Ça marche. Et ça marche. Et tout le monde. Non. Ce qui arrive, c'est pas mal. La deuxième phase, elle est encore plus belle que ça. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que des gens croient en quelque chose. Non. Un jour, quelqu'un dit je vais faire ça. Et tout le monde dit tu es réussi. Exact. C'est pas la peine. Mais dis tu vas te casser la gueule. Et quelques années après, le truc est là. Heureusement qu'il est là. Thank you.
D'accord. Ah, c'est super. Merci. On garde d'abord parce qu'on on est en streaming. Alors, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et je remercie également l'ensemble de nos collègues qui nous regardent en live streaming depuis l'ensemble des sites du groupe OCP. Aujourd'hui, cette conférence a une connotation particulière, puisque nous allons, comme vous l'avez constaté dans l'annonce, une thématique qui vous concerne tous, qui concerne cette très belle université. Et donc, je vais très vite passer à la présentation de notre intervenant, et puis on aura l'occasion, après la conférence, de débattre avec lui d'un certain nombre de points que je vous préciserai après. Alors, M. Fouad El-Haroui est né en 1958, à Oujda. Après avoir passé ses études primaires et secondaires au Maroc, dans un premier temps à El Jadida, dont il est originaire, et puis à Casablanca, au lycée Lyoté, il a quitté le Maroc, il a fait le choix de quitter le Maroc pour poursuivre ses études supérieures dans une école prestigieuse française, Pont et Chaussée. Il en sortira ingénieur et il se verra confier une très grande responsabilité à OCP dans une mine à Khribga, qu'il dirigera d'ailleurs avec brio. Il quittera encore une fois le Maroc en 1989 à destination de l'Europe, où il obtiendra son doctorat en sciences économiques et il enseignera l'économétrie à Amsterdam et d'autres villes et d'autres pays. Après cela, il partagera sa vie entre Paris et Londres pendant une période de sa vie. Et en 1996, il signera son premier roman, à travers lequel il va revenir à ses origines marocaines, mais avec un regard de celui qui est né au Maroc, mais qui a vécu à l'étranger. Ses écrits en français connaîtront un grand succès, pardon, mais il ne se limitera pas à cela, puisqu'il deviendra poète en néerlandais. En signant son premier roman, il devient un homme de lettres. Donc, il était ingénieur, puis économiste, et puis aussi un homme de lettres, et aussi chroniqueur dans un certain nombre d'organes de presse, notamment Jeune Afrique. Alors, ses écrits ont une connotation particulière, puisqu'ils sont très, très riches en enseignements. J'en citerai quelques-uns qui sont parmi les plus célèbres. Les dents du topographe, méfiez-vous des parachutistes, l'étrange affaire du pantalon de Dassoukine,
l'insoumise de la Porte de Flandre, et un dernier en date, signé en octobre 2018, que j'ai entre les mains, que nous allons vous présenter dans un instant, c'est Dieu, les mathématiques, la folie. Et je ne te le cache pas, s'il faut être en lisant ce livre, je suis moi-même devenu un petit peu fou. Je te dirai pourquoi. Alors, durant tout son parcours très riche, Sifo est devenu ingénieur, comme je l'ai dit, économiste de formation, professeur de littérature par choix, chroniqueur, romancier et poète. Il a fait le choix aujourd'hui de nous parler des sciences exactes et des sciences humaines pour une formation complète du citoyen de demain. Il est vrai que c'est le titre de la conférence que nous avons annoncée. Entre-temps, on a fait une petite modification, mais on est resté dans cette thématique-là, qui est les mathématiques entre raison et déraison. Mais en restant toujours dans cette thématique, vous savez que nombre d'experts ont longuement opposé les sciences exactes aux sciences humaines, considérant que les premières sont des sciences dures, parfaites, c'est elles qui ont amené à la vérité, alors que les secondes étaient beaucoup plus tout simplement molles. Et comme son nom l'indique, molles, ça veut dire qu'ils n'apportaient pas beaucoup de choses. Alors que d'autres avaient considéré qu'elles étaient complémentaires. Mais avec lui, on apprend et on apprendra que les deux sont nécessaires, sinon primordiales. Et sans les deux, nous ne pouvons pas construire le citoyen de l'avenir. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il a accepté et nous a honoré de sa présence pour nous parler des mathématiques entre raison et déraison, à travers lesquelles il va nous présenter aussi, où il va nous dessiner le contenu et les contours de ce livre merveilleux. Puis-je vous demander de vouloir accueillir chaleureusement Sifo Adlaoui. Merci Tarek. Merci à tous d'être là. Avant de commencer, je voudrais remercier trois personnes, exactement. Je pourrais en remercier plus, mais bon, on passerait toute l'après-midi à remercier les gens. D'ailleurs, une fois, j'étais dans une conférence à Assela, et on a fait une journée de conférence et une journée de remerciements. Tu vois, donc, on ne va pas faire ça ici, c'est trop compliqué. Je voudrais remercier d'abord Si Mustafa Tarab, qui est, comme vous le savez tous, un homme d'une grande vision et sans lequel on ne serait pas là, une très grande largeur d'esprit, mais qui est aussi un homme d'une très grande bienveillance. Et donc je rends hommage à Si Mustafa Tarab ici. Je voudrais remercier mon ami Hicham Lafti, coming young man, comme on dit, de l'OCP, qui a très chaleureusement accepté le principe de cette conférence et qui m'a dit que je pouvais revenir quand je voulais. Maintenant que j'ai goûté ce qu'on mange au restaurant, je reviendrai très souvent, t'en fais pas. Et Tarek Ngadi, que je retrouve avec plaisir, puisque l'an dernier, c'était aussi Tarek qui m'avait accompagné pour une autre conférence à El Jadida. Donc, effectivement, il y a, si on veut, deux thèmes, mais qui se recoupent. Et la raison est la suivante. C'est parce que je crois passionnément qu'on ne devrait pas ériger de mur entre les disciplines et qu'on a tort de le faire. On est obligé de le faire, en fait, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que à peu près jusqu'au 19e siècle, on pouvait encore connaître à peu près une bonne partie du savoir humain et que tout ça, c'est complètement fini. Vous savez que, par exemple, le dernier grand mathématicien dont on pense qu'il connaissait tous les domaines des sciences mathématiques, de la mathématique, c'était Henri Poincaré. Et Henri Poincaré, c'est quand même 1854-1912. Maintenant, j'étais à Bruxelles l'autre jour et j'ai rencontré un professeur de mathématiques à la retraite, grand professeur de mathématiques à la retraite, qui m'a dit que lorsque l'anglais Andrew Miles avait démontré le théorème de Fermat, que lui, ce professeur, grand professeur de mathématiques belge, s'était procuré la démonstration de Andrew Miles, ou Walsh, le gars qui a...
et qu'il avait passé 3 mois à essayer de la comprendre et qu'il n'avait pas réussi, en fait, à comprendre cette démonstration. C'est-à-dire, déjà, à l'intérieur des mathématiques, c'est devenu un champ tellement vaste et complexe. Chaque année, il y a 4 millions de nouveaux théorèmes qui apparaissent en mathématiques. Alors, avoir l'ambition d'embrasser toutes les formes du savoir, ça peut sembler démesuré. C'est démesuré. Mais pour autant, c'est une ambition qu'il faut avoir. Et pourquoi il faut l'avoir ? Parce que si on néglige les sciences exactes, réellement on ne comprend rien au monde. Si on néglige les sciences humaines, on ne comprend rien à l'homme. Et dans ce cas-là, on est perdu. Soit on ne comprend rien au monde, soit on ne comprend rien à l'homme. Donc il faut faire l'effort d'essayer d'acquérir au moins un minimum de savoir dans toutes les branches du savoir. Quand je parle de savoir, je parle du vrai savoir. Je ne parle pas d'astrologie, je ne parle pas d'horoscope, je ne parle pas du calendrier Maya. Tout ça, c'est amusant quand on est en train de discuter avec des amis. Non, je parle réellement de savoir, ce qui peut constituer une science. Et ça, si vous voulez, je vais l'illustrer justement avec mon dernier livre, qui s'appelle donc « Dieu, la mathématique, la folie ». Et je vais l'illustrer pour montrer ce qui peut arriver, justement, quand on n'essaie pas de saisir la vie avec toutes ses dimensions et le savoir avec toutes ses dimensions. Parce que dans ce livre, je parle de quatre grands mathématiciens, des mathématiciens vraiment d'exception, qui sont tous morts fous. Alors, évidemment, s'il y a un médecin, un psychiatre ici, il va me dire, mais monsieur, la folie est un concept très compliqué, vous ne pouvez pas dire ça. Bon, mais je parle de Grothendieck, qui était donc le professeur de Tahab à la Fraîche. Grothendieck, je parle de Erdős, le Hongrois, je parle de Grigori Perelman. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'à l'origine justement de leur folie, c'est qu'il y avait un rétrécissement du champ mental, un rétrécissement qui finalement s'explique très bien quand on est mathématicien et quand on aime les mathématiques, ce qui est mon cas, ce qui n'est pas le cas de Si Mohamed Souhel, qui déteste les mathématiques et qui vient d'entrer, c'est pour ça que je l'agresse tout de suite. Et le rétrécissement mental s'explique parfaitement dans le cas des mathématiques, mais ça vient de loin. Et donc, je vais essayer de voir d'où ça vient. Pourquoi est-ce que les mathématiques sont tellement fascinantes qu'on oublie de vivre ? On oublie de vivre Gödel, le fameux Gödel. Quand il est mort, il pesait 40 kilos. C'est un gars qui a réussi l'exploit assez extraordinaire de mourir de faim aux États-Unis. Parce que finalement, il a tellement négligé son corps, parce qu'il était entièrement dans cette recherche théorique de l'être avec un grand E. Alors, avant, je voudrais vous poser une question à tous. Et ça m'intéresse, en fait. Je vais vous poser une question et je vais vous donner deux réponses, A et B. Et aucune réponse n'est fausse. Les deux sont bonnes. Hein. Mais simplement, ça m'intéresse de savoir quelle réponse sera la vôtre. Alors, voici le problème. Un match de foot commence. Barcelone. Et le ballon, on va faire l'hypothèse que le ballon est une sphère parfaite. Sphère parfaite. Et il pèse 435 grammes, comme les ballons de foot. Bon, le match commence. Donc, le ballon. On tire, on joue avec le ballon. Donc, à la fin du match, le ballon n'est plus une sphère parfaite. C'est un peu déformé. D'accord, très bien. Alors, il y a deux façons de considérer cela. La première, c'est de considérer que ce n'est plus le même objet. C'est-à-dire, quand l'arbitre a pris le ballon sphère parfaite exacte, quand il l'a mis au milieu pour donner le coup d'envoi, c'était un autre objet. C'est-à-dire, maintenant, l'objet qu'on a, c'est un autre. Et ça, c'est option A. Une autre façon de voir les choses, c'est que c'est le même objet, mais déformé. Ça, c'est l'option B. Et je vous pose une question. Si je vous demande, est-ce que vous êtes A ou vous êtes B ? Alors, je vais vous le demander, vous levez la main, d'accord ? Donc, je répète, A, on considère que ce n'est plus le même objet. C'est-à-dire, la sphère parfaite est devenue un truc cabossé. Et l'option B, c'est le même objet, mais cabossé. Alors, qui c'est qui est A ?
D'accord. Donc, ce n'est pas le même objet. D'accord. Qui c'est qui est B? Forcément les autres. Bravo. Souhel, tu es A ou B? Je ne comprends rien. J'étais avec toi en maths sup, tu ne te souviens pas? En fait, ce qui est très curieux, c'est que vous venez... Tu es A ou B? Tu es B. D'accord. Mais tu n'es pas d'accord avec ton mari ou là, tu n'as pas besoin d'être d'accord sur ce point particulier. D'accord, j'ai compris. Ça ne sera pas. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous venez de vous définir dans l'histoire des sciences et de l'histoire de la pensée. Ceux qui sont pour l'option A sont des platoniciens. Donc, vous êtes des platoniciens. Et ceux qui sont dans l'option B, vous êtes des topologistes. Vous faites de la topologie, en fait. Et ce qui est très curieux, c'est que la topologie a été inventée pour cela. C'est-à-dire, c'est de nouveau Henri Poincaré, 1854-1912, qui s'est dit, mais il faut inventer une science mathématique qui tienne compte du fait que c'est le même objet. Alors que toutes les mathématiques pures se sont construites à partir de Platon, et vous êtes donc des platoniciens, on peut vous traiter aussi d'idéalistes, puisque l'idéalisme est né chez Platon. Pour Platon, ces objets parfaits ne peuvent pas changer, parce que ce sont des objets parfaits. Ce qui ne change pas est parfait. Et constamment, on va faire maintenant des allers-retours pour vous dire pourquoi il ne faut pas cloisonner le savoir. On va faire des allers-retours constamment entre les mathématiques, la philosophie, le football, on va en faire maintenant. Pourquoi est-ce que Platon s'intéressait aux objets parfaits, donc à la sphère qui est parfaite? Et pour Platon, un ballon de foot n'est finalement qu'une représentation imparfaite d'un monde parfait. Mais pourquoi est-ce qu'il s'intéressait à cela? Parce que il vivait dans un monde de guerre civile. Il y avait la guerre civile à Athènes, et c'était un monde qui était détestable. D'ailleurs, Platon a failli lui-même plusieurs fois. Il a été enlevé, il a failli mourir, etc. C'était un monde détestable. Et pourquoi il y avait la guerre civile? Si vous regardez les infos, ce qui est en train de se passer en Libye, par exemple, peut vous éclairer là-dessus. Il y avait la guerre civile parce que les gens suivaient celui qui parlait le mieux. Donc, un tyran arrivait au pouvoir en convainquant les autres. En convainquant les autres par quoi? Par la rhétorique. Par la rhétorique, le balara, on dit en arabe. Et puis donc, il fomentait quelque chose, une révolution. Et puis quelqu'un d'autre arrivait, il faisait un très beau discours. Il intéressait d'autres gens, il les convainquait. Et puis les gens n'arrêtaient pas de se tuer les uns les autres. C'était un phénomène de guerre civile, finalement. Et Platon s'est dit, la seule façon de résoudre le problème de la guerre civile, si on fait l'hypothèse que l'homme est rationnel, c'est de trouver la vérité. Parce que si on trouve la vérité, elle sera plus forte que la rhétorique. Et la vérité, c'est donc la démonstration. La démonstration, ce qu'on appelle al-burhan en arabe. Et donc, Platon fonde son académie, donc là où il commence à donner des cours, pour convaincre les jeunes gens les plus brillants d'Athènes d'avoir cet objectif d'essayer de trouver la vérité. Donc c'est déjà un objectif scientifique qui est très beau, d'une certaine façon. Et vous savez ce qui était écrit sur le portail, sur le linteau de l'académie de Platon? Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et à l'époque, la géométrie, c'était les mathématiques. Ce que voulait dire donc Platon, c'était écrit... Peut-être qu'on devrait le mettre ici, non? Quelque part. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ce que voulait dire Platon, c'est que tu n'avais le droit de venir, on avait le droit de venir étudier dans son académie, que si on adoptait le point de vue du géomètre, c'est-à-dire qu'on adoptait le point de vue de la démonstration. Et donc ça fonctionnait comme ça, parce qu'il disait, si je démontre quelque chose, tous les hommes... Il fait l'hypothèse que les hommes sont rationnels. Donc les hommes seront convaincus et il n'y aura plus
cette faction contre cette faction, même si quelqu'un arrive avec beaucoup de balara, la rhétorique, etc., s'il y a la preuve, il y a la preuve, les hommes sont convaincus et on ne va pas se faire la guerre civile. Et donc il fait son académie et il commence à découvrir de très belles choses. Et donc, de ce point de vue, les vérités éternelles sont forcément des vérités du genre de la perfection. Donc, la sphère n'est pas de ce monde. La sphère, c'est une idée. C'est pour ça qu'on dit le monde des idées, c'est pour ça qu'on dit l'idéalisme. Hein. La sphère, le triangle, n'est pas de ce monde. Donc, on est dans l'abstraction purement mathématique. Et ce monde dans lequel nous vivons, qui est celui, selon la formule, le monde de la génération et de la corruption, c'est-à-dire un arbre, il y a une graine, on va semer une graine, on va arroser, il va pousser, il va donner ses fruits, puis il va mourir. Donc c'est la génération, la corruption, et la vie continue comme ça. Mais ce monde n'est pas le vrai monde. Pour Platon, le vrai monde, c'est donc celui des idées, celui de l'immuable, celui de ce qui ne change pas, et c'est celui des idées. Alors, le problème, c'est qu'il y avait un étudiant très brillant chez Platon, c'était Aristote. Et donc Aristote arrive à l'académie de Platon, et il reste 20 ans, ils avaient des bourses longue durée à l'époque, il reste 20 ans chez Platon, à la fin il devient genre prof assistant de Platon, il y avait la fameuse blague qu'à la fin, vers les 18e ou 19e année, quand Platon voyait arriver Aristote, il se sauvait en courant, parce qu'il avait marre de discuter avec ce gars-là, parce qu'Aristote lui disait le contraire, il lui disait finalement le monde des idées. D'accord. Aristote était convaincu qu'il fallait aussi trouver une vérité, justement pour éviter les guerres civiles et pour arriver à progresser. Mais Aristote, il disait, mais en fait, comment est-ce qu'on peut acquérir le savoir s'il est dans le monde des idées? Et là, on va arriver du côté de la théologie assez rapidement. Si le savoir est du côté du monde des idées, je ne peux pas donc l'acquérir ici. Je ne peux pas l'acquérir ici. Donc, comment est-ce que je peux l'acquérir? Je peux l'acquérir d'une certaine façon par quelque chose qui ressemble à de l'illumination ou à de la prophétie, nubuwa. Donc, le prophète reçoit un message inné et il a la vérité du monde idéal. Et Aristote disait, bon, tout cela est intéressant, mais nous ne sommes pas des prophètes, en fait. Et comment nous allons acquérir le savoir? Et c'est là l'anecdote qui est très intéressante dans l'histoire personnelle en fait, d'Aristote, c'est qu'il descend à certains moments dans le lagon de l'île de Lesbos, et il s'installe pendant des mois là-bas, et tous les soirs, il attend les pêcheurs. Et quand les pêcheurs arrivent, Aristote achète des poissons. Il achète des poissons, il les emmène dans le lieu où il habitait, il commence à les disséquer. Et finalement, c'est une réponse au maître. Aristote pose un défi, finalement, à Platon. Il lui dit, toi, tu as le conseil, l'idée de poisson. Et maintenant, dis-moi, parle-moi, qu'est-ce qu'un poisson? Parce qu'il dit, moi, Aristote, je sais ce que c'est un poisson, parce que je les vois, je les ouvre, et je les dessine, et je peux te dire ce que c'est. Vous savez, il y a aussi une anecdote là-dessus, c'est que Aristote ou un autre des élèves de Platon l'avait mis au défi de définir l'homme, par une définition donc de type idéal, c'est-à-dire sans voir un homme. Et Aristote avait dit quelque chose du genre un bipède sans plumes, quelque chose comme ça. Et le lendemain, quelqu'un a apporté un poulet déplumé, il a dit « voici l'homme de Platon ». Donc, il y avait toute une discussion entre eux. Et donc, sur la nature du savoir, c'est très important pour nous. Hein. Alors, je fais tout de suite une parenthèse pour vous dire maintenant pourquoi il faut faire un aller-retour entre les sciences humaines et les sciences exactes, si on considère que les mathématiques sont une science exacte. Et par exemple, la physique. Je fais toujours tout de suite une parenthèse que tous ceux qui ont fait MathSup, MathSp vont comprendre et reconnaître. Et pourquoi il est important de faire de l'histoire des sciences? Vous voyez déjà, on est maintenant dans les sciences sociales. Les équations de Maxwell. Alors, Cissoel, vas-y, il y a le tableau ici, mets-moi les quatre équations de Maxwell, avec le rotationnel, la divergence. Le problème des équations de Maxwell est le suivant. Quand j'étais en MathSup, MathSp à l'IOT, un jour on rentre, tu vois, on venait de prendre notre petit déjeuner, on rentre et c'est le premier cours d'électromagnétisme. Monsieur Spenlehauer, que j'aime beaucoup, mais qui enseignait comme tout le monde finalement,
Que fait-il pour le cours d'électromagnétisme? Il écrit les quatre équations de Maxwell au tableau, qui sont des équations qu'on ne peut pas comprendre, en fait. Les rotationnelles, divergences. La divergence du champ magnétique est nulle, en fait, parce que toutes les lignes du champ magnétique reviennent, la divergence du champ électrique. Enfin, des équations très compliquées, des équations dérivées partielles. Ça vous dit quelque chose? Oui, les équations de Maxwell. Le problème, c'est que... Où est le problème philosophique là-dedans? Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut essayer d'avoir une vision globale du savoir. Le problème philosophique là-dedans est le suivant. On est de nouveau dans l'ordre de l'illumination. C'est comme si Aristote n'avait jamais existé. C'est comme si on était tous platoniciens. C'est-à-dire que M. Spenlauer vient nous écrire les équations de Maxwell comme si dans la nuit, il était devenu prophète. Le prophète, il avait reçu les équations, il les écrit là, et nous, on ne comprend rien. Alors qu'en vérité, c'est quoi les équations de Maxwell? Eh bien, c'est un jeune homme, un homme qui s'appelle James Clerk Maxwell, un Écossais qui avait de la fortune, qui avait du temps, qui était extrêmement brillant et qui a ramassé tous les travaux empiriques qui avaient été faits avant lui, par des Arago, des Ampère, les Italiens, les trucs. Et en prenant tous les travaux empiriques de ces gens-là, des travaux empiriques, exactement comme Aristote aurait voulu le faire, et comme eux l'avaient fait, en fait. Et donc, Maxwell se dit, je peux traduire tout cela avec des équations aux dérivées partielles. Et au début, il en fait 16, puis il réduit ça à 8, et finalement, ça devient 4 équations très belles, mais absolument incompréhensibles, en fait, quand vous rentrez en... Je suis sûr, d'ailleurs, que beaucoup de gens, et c'est pour ça que j'en veux un peu à cette façon d'enseigner, je suis sûr que beaucoup de gens se découragent ce jour-là. Et ils vont faire des études de poésie anglaise parce qu'ils voient les quatre équations de Maxwell, ils disent « ça, c'est trop pour moi, je ne comprendrai jamais ça. » Shakespeare, Milton. Alors qu'en réalité, si vous suiviez le cheminement matériel, le truc, chacun fait son truc dans son coin, Galvani a fait un truc, Volta a fait un truc, Arago, machin, et donc on peut suivre la formation de l'électromagnétisme. Et il y a une autre conséquence. Là. On revient de nouveau au débat entre Platon et Aristote. C'est que cette façon d'enseigner, et attends, c'est important, cette façon d'enseigner disqualifie les sciences humaines. Pourquoi? Parce que si on reste dans cette façon de penser de Platon, il y a une espèce d'illumination par des génies. Le génie arrive, il voit. Et donc, le génie écrit la formule, et la formule est exacte. C'est ça qui est important. C'est que les équations de Maxwell sont exactes. Les équations, là j'ai écrit l'équation du monde, là-bas à gauche, que j'aime beaucoup, c'est l'équation de la relativité générale d'Einstein. Si on enseigne les choses comme ça, c'est-à-dire le premier cours de relativité générale, vous rentrez, quelqu'un écrit, comme je viens de le faire tout à l'heure, l'équation là-bas qui est très belle, pour en parler tout à l'heure, qui est vraiment une équation d'une beauté extraordinaire. C'est l'équation de la relativité générale qui est effectivement très compliquée à comprendre, puisque je crois que c'est une Américaine qui a reçu il y a quelques mois le prix Abel de mathématiques, une espèce de Nobel des mathématiques, et j'étais très surpris en lisant ses déclarations dans la presse américaine que cette dame qui vient de recevoir le prix Abel de mathématiques, dans ses interviews, elle disait, mais vous savez... Je suis très fier et honoré de ce prix, mais j'ai quand même mes limites. Je n'ai jamais compris Einstein, par exemple. Donc, pour vous dire que cette formule n'est pas facile. Mais elle est très belle, cette formule. Mais pourquoi est-ce que ça disqualifie les sciences humaines? Parce que si on croit qu'il y a un savoir fini, les équations de Maxwell, les équations de Navier-Stokes, l'équation du monde d'Einstein, et que des gens d'exception qui sont proches de la prophétie, finalement... Un jour, il découvre cette équation. On disqualifie les sciences humaines parce qu'il n'y a pas l'équivalent de cela dans les sciences humaines. Ça n'existe pas. Si vous faites... Or, moi, je crois passionnément aux sciences humaines, mais il n'y a pas en anthropologie l'équivalent de ça, ou des équations de Maxwell. Il n'y a pas en sociologie. Alors, évidemment, le premier sociologue, comme vous le savez, était Ibn Khaldoun. Mais... Ibn Khaldoun, par exemple, il n'y a pas de formule comme ça chez Ibn Khaldoun, mais il a dit des choses extrêmement sensées.
Le premier travail en sociologie dont on considère que c'est vraiment le premier travail sociologique était celui d'Émile Durkheim sur le suicide, en fait, en France. Et Durkheim, au XIXe siècle, avait pris une carte de France, il avait noté les taux de suicide, en fait, et il avait démontré que le suicide était corrélé avec l'isolement social et l'isolement de classe, et même l'isolement en fait en termes de distance des gens. C'est une loi, mais ce n'est pas une loi de ce type-là. C'est-à-dire personne n'est capable de la mettre sous forme d'équation en dérivée partielle. Si vous prenez des gens extrêmement brillants, comme Bourdieu par exemple, Bourdieu a fait des travaux extraordinaires, je trouve extraordinaires, sur la reproduction des élites. Et c'est grâce à Bourdieu, par exemple, si vous allez en France maintenant, si vous voyez des enfants, des classes qui vont dans les musées, et ça vous embête parce qu'ils courent dans les musées, etc., vous pouvez dire merci Bourdieu. C'est parce qu'après Bourdieu, on a compris que la reproduction des élites se faisait aussi par la culture générale, et donc il était important, ça c'est aussi une idée d'ailleurs pour le CP, qu'il était important pour les enfants des classes défavorisées dont les parents ne vont pas spontanément les emmener dans les musées, il était important que ce soit l'école qui les emmène dans les musées, parce que la sélection ne se fait pas que par le savoir ou les maths, etc., mais aussi par la culture générale. C'est un travail d'une très grande classe que Pierre Bourdieu a fait. Il a eu la médaille d'or du CNRS pour son travail sur la distinction, sur des choses comme ça. Pour autant, vous verrez toujours chez ceux qui sont dans les sciences exactes une espèce de mépris, ce que tu disais tout à l'heure, pour ce qu'on a pour appeler les sciences molles. Or, la valeur du travail de Bourdieu est extraordinaire. Grâce à Pierre Bourdieu, des centaines de milliers de petites filles et de petits garçons qui seraient restés dans la classe sociale de leurs parents, alors qu'ils avaient les capacités pour aller bien au-dessus, grâce à lui, grâce aux mesures qu'a pris que la France a prise justement après le travail de Bourdieu et d'autres comme lui, comme Passeron, des gens comme ça, il a changé la vie de centaines de milliers de gens. Donc le travail de Pierre Bourdieu en sociologie est un travail extraordinaire. Et pourtant assez méprisé, parce que là, dans les sciences exactes, on a cette beauté de cette équation. Si on revient donc à cette querelle finalement entre Platon et Aristote, on voit donc que nous sommes restés, alors il y a quelques platoniciens ici, je suis aussi un peu platonicien à vrai dire, on est resté dans cette posture platonicienne qui fait finalement, qui fait du savoir quelque chose d'idéal et qui finalement est peut-être réservé à une élite. Et là, on arrive à quelque chose de très intéressant, c'est comment nos philosophes arabo-musulmans ont lu Platon et Aristote. Si vous prenez Ibn Rushd, alors j'ai vu que l'amphithéâtre ici porte le nom, le bon nom d'Ibn Rushd. Pour Ibn Rushd, sa lecture de Platon et d'Aristote consistait donc à dire, d'accord, il y a trois ordres de connaissances, hein, connaissance par la preuve, le burhan, connaissance par la dialectique, le jadal, qui c'est un savoir un peu probable, mais pas certain, et puis autre chose qui est donc la rhétorique, le balard, qui peut être justement maintenant Trump et Netanyahou, les fake news et tout ça, ça c'est le balard, c'est-à-dire en fait ce sont des gens qui mentent et qui arrivent à entraîner, même chose pour Salvini en Italie, des gens comme ça. Mais la conclusion qu'on a tirée Ibn Rushd, c'est que ces trois ordres de connaissance ou de persuasion définissaient des ordres d'hommes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les changer. Il y avait une petite élite qui était capable de comprendre la preuve, le burhan, et donc c'était les fameux qui avaient le droit d'aller chez Platon, dans son académie, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par la dialectique, le jadal. La dialectique ne donne pas un savoir certain. La dialectique donne un savoir probable. Hein? Donc, par exemple, s'il fait très chaud et si le soleil darde ses rayons sur ma tête et que je sors sans chapeau le jour où il fait 48 degrés à Khrubga, et j'ai connu le jour où il faisait 48 degrés à Khrubga,
Si je passe une heure comme ça sans chapeau, je risque d'avoir une insolation et de mourir. Mais c'est un savoir probable. Hein. Ce n'est pas le burhan, c'est plutôt du jadal. Et les gens qui ne sont absolument pas capables de comprendre ni l'un, aucune forme de raisonnement, on peut les mener par la rhétorique, le balara, et donc par le fanatisme. D'où la fameuse idée faussement appelée celle des deux vérités de Ibn Rushd, qu'il y avait un savoir qui était réservé à l'élite et qu'il y avait un savoir qui était celui de la masse. Et là, vous reconnaissez des termes que nous connaissons très bien quand on connaît un peu la philosophie arabe ou la pensée politique arabe, c'est le khassa ou l'amma. Khassa, c'est l'élite, les gens donc, qu'on peut convaincre par la preuve. Et l'amma, c'est un peu le jadal et surtout beaucoup de balara, de rhétorique. Et alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre « Dieu, la mathématique, la folie », c'est de voir exactement où est le rapport, finalement. Pourquoi est-ce que tous ces gens-là étaient fascinés par les mathématiques à partir de Platon? Et je me suis rendu compte, et là on arrive à quelque chose qui est très délicat, qui est la question de savoir qui était exactement Ibn Rushd. Parce que quand j'ai écrit ce livre, à un certain moment, j'ai commencé à m'intéresser donc aux mathématiciens en général, et à un moment je cherchais un symbole du mathématicien. Donc, on peut prendre comme symbole Prométhée, c'est-à-dire celui qui vole le feu aux dieux. D'accord. Et puis, je me suis dit, je vais prendre un autre symbole qui est celui de Faust. Alors, Faust, dans la pièce de théâtre de Goethe, hein, c'est quelqu'un qui fait un pacte, d'une certaine façon, un pacte avec le diable. Je te donne mon âme et tu me donnes la connaissance. Et là, on voit déjà une idée qui est biblique, finalement, parce que ce n'est pas dit, si vous prenez Sourate al-Baqarah, on ne sait pas très bien pourquoi Adam et Ève ont été chassés du paradis. Ce n'est pas clair dans Sourate al-Baqarah. Donc il faut retourner à la Bible pour comprendre pourquoi ils ont été chassés du paradis. Parce que le fameux arbre, Shajara, dans le Coran, on ne sait pas ce que c'est. Dans la Bible, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'idée biblique de ne touche pas à l'arbre de la connaissance, et ils ont touché à l'arbre de la connaissance, et ils ont était banni du paradis. Finalement, c'est une idée qui, depuis le départ, elle infuse cette histoire des rapports entre Dieu, les mathématiques et la folie. Pour ce qui est donc Faust fait donc un pacte avec le diable. C'est très chrétien comme histoire. C'est « tu me donnes la connaissance, je te donne mon âme ». Donc je suis allé regarder la pièce de théâtre de Goethe, traduite en français par Gérard de Nerval, le poète, très beau. Et puis après, je me suis aperçu qu'il y avait un autre Faust, qui était celui de Christopher Marlowe. Alors Christopher Marlowe, c'était un dramaturge de l'époque de Shakespeare. Et à l'époque de Shakespeare, d'ailleurs, pour beaucoup d'Anglais, le grand, c'était Marlowe. Ce n'était pas Shakespeare, mais bon, les goûts évoluent. Et Christopher Marlowe a écrit aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Faust, aussi, sur le même thème, hein, du type qui va vendre son âme au diable, etc. Et là, alors ça, c'était la joie et la surprise du chercheur, quand tout à coup on trouve à 3h du matin une pépite, on a envie d'appeler le monde entier pour lui dire, après on oublie qu'on n'a pas de portable en fait, donc on peut appeler personne en fait. Mais je me suis aperçu que Marlowe construisait toute son argumentation sur Ibn Rushd. Ça c'est extraordinaire, découvrir à 3h du matin que en fait, quand il parle de Faust, etc., Marlowe parle d'Ibn Rushd. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je suis allé regarder ce qu'il écrivait et je me suis aperçu de la chose suivante, que Ibn Rushd a été interprété par les Européens d'une façon... Alors, je dois avouer mon ignorance sur un point. Je sais que l'un de nos grands spécialistes de Ibn Rushd, c'était le regretté Mohamed Abdel Jabari. Et je ne connais pas, j'ai lu un peu comme ça les livres de Jabri, je ne sais pas exactement quelle est sa position sur Ibn Rushd, donc je ne peux pas trop en parler. Mais les Européens, eux, avaient interprété Ibn Rushd d'une façon extrêmement intéressante. Voilà ce qu'il disait. Il faisait dire
à Ibn Rushd, qui était donc le qadi de Cordoue, qui était donc la plus grande autorité religieuse de Cordoue, comme son père d'ailleurs, son grand-père. Tous les Ibn Rushd étaient les qadis des lettrés, etc. Et voilà comment ils interprétaient le truc. Ils disaient, pour Ibn Rushd, la vérité est donnée aux hommes d'élite, l'Khassa, mais elle est donnée comment ? Elle est donnée dans la vérité mathématique, point. Il n'y a que cela, les mathématiques. Et là, donc ça vient même d'avant Platon, parce que les gens passent toujours miracle grec, les grecs, les grecs, les grecs, mais si on regarde, il y a au British Museum, si vous allez au British Museum, il y a une tablette avec un scribe qui s'appelle un nom du genre Ahmed, ça nous rapproche de nous, et cette tablette qui date d'il y a plusieurs milliers d'années, des milliers d'années avant Platon même, et le scribe me dit dans cette tablette, je vais te révéler tous les grands secrets de l'univers. Je vais te révéler tous les grands secrets de l'univers. Ce qui suit, c'est 47 théorèmes de mathématiques, d'arithmétique plutôt à l'époque. Donc, comment ils ont interprété Ibn Rushd ? Ils disent la chose suivante. Ils disent, si on acquiert le savoir mathématique, ça veut dire qu'on a compris l'univers et donc on est, d'une certaine façon, une façon mystique de le dire, alors que Ibn Rushd n'était pas du tout sophé, hein, mais on est en Dieu, d'une certaine façon. Et qu'est-ce que c'est que cette idée ? Cette idée consiste à dire la chose suivante. Il y a l'intellect, et on peut dire l'aql, d'une certaine façon, et c'est ça, finalement, qui crée l'univers. Et l'intellect, on peut l'approcher. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on est dans une vérité mathématique, on est dans une vérité qui jamais, jamais ne changera. Donc, on est dans l'immuable. Le fameux samad, c'est ça, en fait, ce qui ne bouge pas, l'immuable. Donc, à chaque fois qu'on écrit une vérité mathématique, et donc, l'apothéose, elle est là-bas. Quand Einstein, en 1915, écrit... Alors, cette équation, il faut absolument la commenter maintenant, parce qu'elle est trop belle, qui est là-haut. À gauche, vous avez la géométrie du monde. Et à droite, vous avez le tenseur de toutes les masses et les énergies de tout l'univers, de tout le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est le signe d'égalité. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la géométrie, qui est un concept mathématique d'une certaine façon. La géométrie du monde était à gauche. Et à droite, il y a le monde lui-même, c'est-à-dire toutes les masses, toutes les énergies. Et comment est-ce qu'il peut y avoir un signe d'égalité entre un concept mathématique, qui est donc la géométrie du monde, c'est-à-dire la courbure en chaque point de l'univers. Donc, par exemple, là... Ça, il y a une certaine courbure de l'univers, et cette courbure-là, elle est donnée par la force qu'exerce sur ce point toutes les masses et les énergies de l'univers. Donc, la géométrie de l'univers est donnée comme ça. Donc, d'une certaine façon, l'univers définit la géométrie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le monde ou l'univers soit dans un cadre géométrique, non. L'univers crée sa géométrie, et sa géométrie elle-même est définie par ce qu'il y a dans l'univers. Donc, la vérité de l'univers, c'est finalement, d'une certaine façon, sa géométrie. Et de nouveau, on retourne à l'extraordinaire phrase de Platon. « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». C'est-à-dire, on a compris le monde quand on a vu ça. Donc, comment ces gens-là, Christopher Marlowe, pourquoi ils parlaient de Faust et ils mettaient tout de suite Ibn Rushd dedans ? Parce qu'il dit, quand Ibn Rushd écrit ses livres, les arabo-musulmans, c'est-à-dire les Perses, les Amazirs, les Kurdes, enfin tous ces gens-là, les Turcs, tous ceux qui étaient dans cette grande époque de la pensée qui s'écrivait en arabe, tous ces gens-là ont pris Ibn Rushd pour quelqu'un qui ne faisait que, d'une certaine façon, traduire Aristote et puis rentrer dans des controverses avec Razali. Et il dit non, ça c'est ce que croyaient les arabo-musulmans de l'époque. Mais les Européens, en particulier les Italiens à Padoue et à Pise, mais surtout à l'université de Padoue, et c'est pas pour rien que Galilée est de l'université de Padoue, ils ont compris autre chose en lisant Ibn Rushd. Ils se sont dit, pour la Khassa, pour l'élite, la seule et unique façon d'approcher Dieu, c'est pour ça qu'il y a Dieu dans ce livre, c'est finalement d'appréhender mathématiquement le monde. Et on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas. Ça, c'est pour la Khassa. Maintenant, comme il disait lui-même, suivant l'exemple de Platon, que la Amma ne peut pas comprendre la preuve, on est bien obligé de traduire pour la Amma
Oui, on passe par le Jadal, on passe même par le Balara, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas être à ce niveau-là. Donc, d'une certaine façon, l'âme n'a pas la vraie connaissance divine, n'a pas la vraie connaissance de Dieu. Et c'est très dangereux comme idée. C'est d'autant plus dangereux qu'à un certain moment, juste un siècle après Ibn Rushd, alors Ibn Rushd, ses livres ont été brûlés, il a été obligé de s'exiler, vous savez qu'il était enterré à Marrakech, Ibn Rushd, en fait, pas loin d'ici. Après, ils ont rapatrié son corps. Quand les livres d'Ibn Rushd sont arrivés en Italie, le pape, à un certain moment, le pape, quelqu'un lui dit, vous savez que les jeunes de la noblesse italienne ne vont plus à la messe. Quoi ? Le pape se renseigne et ses cardinaux lui disent, mais vous savez, ils sont devenus averroïstes. Et le pape dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et on lui dit, ben, il y a un penseur arabe, andalou, qui s'appelait Ibn Rushd, et les jeunes de la noblesse italienne, maintenant, ils ne vont plus à la messe parce qu'ils disent nous faisons partie de la Hassa. Je ne sais pas comment ils disent ça en italien. C'est le peuple qui va à la messe. Mais nous, non, parce que nous, on a le vrai savoir qui est celui, justement, de la mathématique. Alors, ce que fait le pape à ce moment-là ? Il prend le type le plus brillant qu'il connaisse, qui est le fameux saint Thomas d'Aquin. Et le pape demande à saint Thomas d'Aquin, qui n'était pas encore saint, évidemment, c'était juste un jeune d'une famille d'ailleurs riche et noble, mais qui était brillantissime, c'était Thomas d'Aquin, jeune homme, il lui dit, écoute, va lire les livres d'Ibn Rushd et écris-moi une réfutation pour qu'on en finisse avec ce Ibn Rushd. Et c'est exactement ce que fait finalement Thomas. Il écrit une réfutation, en latin, réfutation averroïstas, réfutation des averroïstes, et il se rend compte qu'en fait, Ibn Rushd avait raison. Donc, toute la doctrine de l'Église, qui était la doctrine platonicienne, qui avait été reprise par saint Augustin, qui consistait à dire comment est-ce que saint Augustin, finalement, il a platonisé l'Église de façon extrêmement simple. Si on lit saint Jean, il dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et j'ouvre une parenthèse, comme vous le savez, nous sommes dans un pays sunni, maliki, ash'ari. Nous avons 5 livres sacrés, nous avons la Bible, la Torah, nous avons le Nouveau Testament, nous avons les psaumes de David, nous avons Waraqat Ibrahim et nous avons le Coran. Donc nous avons 5 livres sacrés, donc nous devrions lire plus souvent la Bible. Dans l'Évangile, donc, selon saint Jean, l'Évangile commence comme ça. Il dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et que dit à ce moment-là saint Augustin, il dit, ben alors, les vérités platoniciennes, le monde idéal de Platon, c'est le Verbe, le Logos divin. Donc, saint Augustin platonise, enfin, il prend Platon, il en fait la doctrine officielle de l'Église catholique, et ça va durer 1000 ans, jusqu'à ce qu'arrive, justement, saint Thomas, qui dit, mais c'est pas du tout ça, c'est Ibn Rushd qui a raison, parce qu'Ibn Rushd est très aristotélicien. Et donc, ce que fait saint Thomas, il dit, Dieu a créé la loi naturelle qui s'exprime en fait en formule mathématique. Vous voyez, on revient toujours aux maths. Il dit, il y a une explication rationnelle du monde. Qui sont les formules finalement, ce que donne le monde. Et c'est tout ce qu'on a de Dieu. Et c'est immuable. Et en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons croire, c'est la foi, mais que dans notre pratique, dans la recherche de la vérité, nous ne pouvons plus attendre l'illumination, la prophétie, une nubuwa, etc., parce que ça ne marche pas. Il faut faire de la recherche, exactement comme Aristote, dans le lagon de l'île de Lesbos, quand il était en train de couper les poissons pour comprendre ce que c'est qu'un poisson. Et là, il se passe un truc extraordinaire, c'est donc, grâce à Ibn Rushd, saint Thomas, Thomas d'Aquin, va rendre la science possible en Occident. Au moment où nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, évidemment, dans le monde arabo-musulman, on n'a jamais fait cette... Donc, on continue de croire que le savoir va être donné presque par illumination. Et la façon d'enseigner, je parlais tout à l'heure des lois de Maxwell et de M. Spenlauer, mais la façon d'enseigner très curieusement est aussi restée très platonicienne, comme ça. Et donc, Thomas, c'est donc de rendre le savoir possible. Alors, on est encore dans les mathématiques. Et donc, Christopher Marlowe, que dit-il? Il dit que c'est grâce à Ibn Rushd
que va se passer la plus grande révolution. Alors, il le dit, ça va se passer après Christopher Marlowe, bien sûr, mais il annonce quelque chose d'extraordinaire, il annonce le XVIIe siècle, il annonce en fait Galilée et Newton. Galilée, encore une fois, était professeur à l'université de Padoue. Et c'est à l'université de Padoue, en Italie, qu'arrivent les œuvres de Ibn Rushd. C'est là qu'il commence à les comprendre. C'est là que fait à un certain moment Galilée, il va jusqu'au bout du raisonnement. Il dit, l'univers s'écrit en langage mathématique. Très belle phrase. L'univers s'écrit en langage mathématique. C'est-à-dire que pour comprendre l'univers, il faut avoir l'outil mathématique. Et j'ai trouvé, ça aussi c'est le genre d'illumination à 2h du matin, où on est fou de joie parce qu'on a trouvé quelque chose d'extraordinaire. À un certain moment, Galilée envoie une lettre à la grande duchesse de Toscane. La grande duchesse de Toscane, je ne sais pas pourquoi, s'intéressait à ce que se faisait Galilée et lui disait « Mais vous n'êtes pas un peu hérétique là ? Il paraît que les cardinaux ne vous aiment pas trop. » Enfin, il y avait un cardinal qui aimait bien Galilée, mais les autres se méfiaient de Galilée. Et elle lui disait, mais est-ce que vous ne mettez pas en danger notre foi chrétienne par vos travaux, etc. Et la lettre, donc je voulais lire cette lettre, la lettre que Galilée avait envoyée à la grande-duchesse de Toscane pour lui expliquer ce qu'il faisait. Et je vous assure que c'était un moment de grande illumination. Il y avait des phrases qui étaient entièrement prises d'Ibn Rushd à la lettre. Évidemment, jamais il ne le cite, mais ce sont des phrases à la lettre. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que donc Galilée, comme vous le savez, il va être condamné par l'Église, il va être obligé de ne pas enseigner. Mais quel était le problème, au fond ? Le problème, c'est que l'Église lui demandait une simple chose, de ne pas dire que ses travaux et cette science profane, de ne pas dire que c'était la vérité avec un grand V. C'était simplement de dire que c'était des hypothèses, ce qu'avait fait Copernic, d'ailleurs. Quand Copernic avait fait son système, etc., il n'a jamais dit « voilà exactement comment c'est le soleil qui est là, c'est la Terre qui tourne autour ». Copernic n'avait jamais dit ça, en fait. Copernic avait dit « si on fait cette hypothèse, ça explique quelques problèmes, comme le périhélie de Mercure, etc. » Galilée a refusé. Galilée a dit non. Et c'est pour ça que dans sa lettre à la grande-duchesse Toscane, c'est passionnant parce qu'il répète les arguments d'Ibn Rushd. Parce qu'il semble dire, en fait, que c'est ce savoir absolu que donnent les mathématiques qui est la vraie approche de Dieu pour l'élite. Et que le reste, c'était très bien pour le peuple. Arrive, quelques années plus tard, Newton, et il va finir le raisonnement. Newton arrive, et il fait donc son fameux système Principia Mathematica, où il décrit tout l'univers grâce à une seule loi, qui est donc la fameuse F égale M1, M2 sur R2, etc. C'est l'attraction universelle. Bien. Newton était croyant. Il était croyant, c'est quelqu'un qui allait à la messe, qui était profondément croyant. Et donc ses amis croyants lui ont dit, mais c'est très curieux, parce que tu expliques comment l'univers fonctionne, mais il n'y a jamais, tu ne parles jamais de Dieu. Et c'est là que dans la préface à la deuxième édition, Newton écrit cette phrase en latin. Il dit, voilà, je montre comment l'univers fonctionne grâce à la loi de l'attraction. Et il dit, pour le reste, hypothèses non fingo. Et en latin, ça veut dire, je ne fais pas d'hypothèse. Je ne fais pas d'hypothèse sur le pourquoi des choses. Il dit, voilà exactement comment l'univers est fait, et je ne fais pas d'hypothèse sur le reste. Et le troisième élément du triptyque, là on y arrive, c'est Laplace, le fameux mathématicien français, et son fameux dialogue avec Napoléon. C'est un dialogue qui est souvent cité, mais qui n'est pas clair, en fait, qui n'est pas toujours compris. Vous savez que Laplace est allé plus loin que Newton. Il a repris le système de Newton, il a apporté quelques corrections, il a fait un très beau modèle, et Napoléon, qui était un homme très cultivé, qui s'intéressait beaucoup aux sciences, Napoléon lisait beaucoup. Entre deux guerres, il lisait beaucoup, entre deux batailles, il lisait beaucoup. Il a lu, en fait, le livre de Laplace, et il l'a convoqué. Et il lui dit, mes citoyens Laplace, j'ai lu avec intérêt votre livre, mais il n'y a pas le mot Dieu dans votre livre. Et Laplace lui répond, la phrase célèbre, c'est « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Et cette phrase n'est jamais comprise, en fait, parce que Laplace ne voulait pas dire qu'il était athée ou qu'il ne croyait pas en Dieu, etc. En fait, et c'est un point important, dans le système originel de Newton,
il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Par exemple, il y avait Mercure, qu'on devrait trouver là, mais qui, d'après les équations de Newton, on trouvait toujours un peu décalé. Maintenant, on sait que parce qu'il y avait une autre planète que Newton ne pouvait pas voir, etc. Et Newton, pour expliquer ça, il disait que Dieu intervenait de temps en temps, pour juste toucher un peu, changer les choses. Et Laplace trouvait que ce n'était pas digne de la majesté de Dieu. Et donc, quand il dit « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse », il ne dit pas que Dieu est une hypothèse. Il dit « je n'ai pas eu besoin de l'hypothèse que Dieu, de temps en temps, comme une espèce de mécanicien, de temps en temps, il vient de serrer les boulons, parce que ce n'est pas compatible avec la majesté de Dieu. » Donc, c'est finalement une très belle phrase. Ce que j'ai découvert, finalement, en faisant ce travail, et j'étais très content de voir le rôle d'Ibn Rushd dans cette histoire, ce que j'ai découvert aussi, c'est ça. C'est que c'est cette idée-là, dont je viens de montrer finalement qu'elle part de Platon et qu'elle a un rapport même avec la guerre civile en Athènes, cette idée que trouver les modèles idéaux, trouver les équations idéales pour décrire l'univers, etc., c'était pour l'élite, le Hassa, c'était la façon la plus exacte d'approcher Dieu. Cette idée, on n'a pas le temps de développer, mais finalement, c'est une idée qu'on peut retrouver aussi chez les soufis, d'une certaine façon, de la mystique, mais d'une autre façon, sans les équations. Mais on laisse tomber pour le moment. En fait, tous ces mathématiciens que j'ai étudiés et qui ont mal fini, ou qui ont fini fous, comme Gödel, Erdős, Grothendieck, tous ces gens-là, Perelman le russe, tous ces gens-là avaient poussé cette idée au maximum. Et là, ils avaient commis une erreur, à mon avis, mon simple avis. C'est qu'ils étaient tellement persuadés que dans leur travail, ils étaient en contact avec Dieu, qu'ils négligeaient tout ce qui n'était pas d'ordre divin, finalement, donc tout ce qui n'était pas d'ordre mathématique. Vous savez, l'anecdote sur Perelman, qui n'est pas une anecdote, c'est une simple vérité. Vous savez qu'il y a eu, pendant très longtemps, l'un des problèmes, c'est la conjecture de Poincaré, était un problème qui avait été posé, je crois même à l'époque, des problèmes de Hilbert. En tout cas, Poincaré avait fait l'hypothèse suivante, c'est que toute variété, je le dis en mathématiques, toute variété de dimension 3 est analogue à une sphère. Bon, ça c'est un peu le... Et personne n'avait jamais réussi à démontrer la conjecture de Poincaré, et la fondation Clé avait offert $1 million à quiconque pourrait démontrer la conjecture de Poincaré. Et finalement, c'est ce mathématicien qui était donc à Saint-Pétersbourg, qui avait publié la démonstration sur Internet. Et donc, on avait mis des mois à vérifier, et puis finalement, des mathématiciens de très haut niveau avaient écrit à la Fondation en disant « ce jeune homme a démontré la conjecture de Poincaré, et donc la Fondation lui envoie un message, venez chercher votre chèque, $1 million vous attend, et comme vous le savez, il n'est jamais allé chercher son chèque. » Il a refusé, et c'est pas courant. Et quand on lui a posé la question, il a fait une réponse vague, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait dire, mais en fait ce sont des gens qui considéraient qu'être dans cette vérité-là, être si proche de Dieu par cette vérité-là, que tout le reste n'avait aucune importance. Ce Perelman, Harvard, MIT, Stanford lui ont proposé d'être professeur sans charge d'enseignement, juste d'être là dans le campus, juste d'avoir Grégory Perelman avec un super salaire de professeur américain. Il vit dans un appartement dans une banlieue modeste de Saint-Pétersbourg avec sa mère et il fait des maths. Tous les autres sont comme ça. Gödel, c'est la même chose. Erdős, j'aime beaucoup cet homme-là. C'est un gars qui faisait 18 heures de maths par jour tout le temps. Il n'avait pas de maison, il vivait nulle part. En fait, il vivait toujours chez des gens. Il appelait ses amis, j'arrive. Il arrivait chez toi un mois, deux mois chez l'autre. Il n'avait jamais eu de maison ni rien. Il buvait beaucoup de café, il faisait des maths. Et un jour, il était à Londres. Et comme il n'avait pas de compte en banque, il ne savait pas ce que c'était et tout, on lui avait remis un prix. C'était quelque chose comme 50 000 livres sterling. Et en espèces, parce qu'il n'a pas de compte en banque, ce type-là. Donc il sort avec ses 50 000 livres sterling. Il est en train de bavarder avec un ami mathématicien. C'est lui qui raconte cette anecdote. Et à ce moment-là, il y a un clochard qui s'approche, qui lui donne, il lui dit « t'as pas 10 balles ?» en anglais. Et Erdős, il le regarde, il prend l'enveloppe où il y a 50 000 livres sterling et il prend 5 livres. Alors,
L'ami croit qu'il va lui donner 5 livres. Non, il prend 5 livres, il les met dans sa poche pour lui et il donne l'enveloppe au clochard. Le clochard qui est reparti avec 49 000 livres. Ils étaient tous comme ça, totalement désintéressés. Grothendieck aussi. Je pense que c'est poussé trop loin cette approche par laquelle on croit que les mathématiques, les sciences, c'est vraiment le seul chemin qui peut mener vers Dieu, si on cherche Dieu, pourquoi pas. Je pense que c'est mener trop loin la fascination pour cette vérité d'ordre mathématique. Je pense, c'est ce que je dis en conclusion, je ne peux pas développer ici, c'est qu'on oublie justement la valeur du jadal, par exemple la dialectique, c'est très bien la dialectique aussi. On ne peut pas toujours convaincre par le bala, par le burhan, on ne peut pas toujours convaincre. C'est oublier que notre monde est très incertain, d'une certaine façon. C'est oublier que lorsqu'on fait des sciences humaines, là, on touche vraiment l'homme. Tous ces gens-là ne touchaient même plus l'homme. Ils voulaient être en contact avec une sorte d'âme universelle, l'aql, c'est-à-dire ce qui fait que le monde existe, que le monde est là. Parce que s'il n'y avait pas de aql, c'est-à-dire les lois les plus élémentaires de la logique, il ne pourrait rien y avoir. Parce que même les lois de la physique sont basées sur les lois les plus élémentaires de la logique, s'il n'y avait même pas cela. Alors, ils identifient cela avec Dieu. Très bien, il faut être avec ce Dieu-là. Mais ils oublient que nous sommes des hommes et que c'est avec des hommes que nous travaillons. Quand on fait un bâtiment, on peut faire un très beau bâtiment, ce sont toujours des hommes, des êtres humains qui vont habiter dedans. Quand on fait une politique, par exemple, quand on fait de très belles écoles, on construit des écoles, alors là, il faut lire Bourdieu. Il faut lire Bourdieu pour savoir comment s'occuper de ces enfants qu'on va amener à l'école. Quand on prend n'importe quelle mesure d'ordre technique, il faut toujours voir ses conséquences anthropologiques. Par exemple, quand vous faites des voitures où il y a 4 places, donc vous condamnez les gens à avoir papa, maman et 2 enfants. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est la technique maintenant qui nous dit exactement quelle est la famille idéale. Ce n'est plus l'inverse. Et c'est pour cela, je pense, qu'il faut, et je conclue là-dessus, que c'est fascinant, finalement, d'étudier les maths, la philosophie, l'origine des maths, des choses comme ça. C'est absolument fascinant. Mais il y a derrière tous ces génies, il y a aussi des êtres humains qui peuvent douter, des êtres humains qui ont parfois des instants, des moments de faiblesse. Il y a aussi un ciment, ce qui unit les êtres humains, c'est pas les mathématiques, sauf peut-être, vous savez que chez les autistes, il y a parfois ce ciment passe justement par les mathématiques. Il y a un livre d'Olivier Sacks où il parle de 2 jumeaux autistes. C'est une scène bouleversante. Ils sont assis, ils sont dans un asile, ils n'arrivent pas à s'occuper d'eux, mais ils sont dans une maison, on s'occupe d'eux, ils sont assis sur un banc. Et de temps en temps, il y en a un qui dit un chiffre. Il dit par exemple 213. Et l'autre applaudit tout content. Et puis il passe 10-12 minutes. Et puis tout à coup, l'autre dit un autre chiffre. 2153. Et l'autre est tout content, il est passionné. Et puis, ils sont en train d'imaginer des nombres premiers. Et leur seul contact, alors ce sont des jumeaux, le seul contact, le seul moment où ils sont heureux d'être ensemble, c'est quand ils découvrent un nombre premier qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont en train de les calculer. Mais nous ne sommes pas autistes. Nous ne sommes pas autistes, et c'est pour ça que, avec toute l'admiration que j'ai pour les mathématiciens, la joie que j'ai de faire des mathématiques, d'écrire des livres sur les mathématiques, je continue de croire que s'il n'y a pas de sciences sociales, il n'y a pas de lien entre nous, et que former des ingénieurs ou des scientifiques de haut niveau n'a de sens que si on en fait des gens qui se préoccupent des autres ou de l'autre. Et ça passe forcément par les sciences sociales. Voilà, merci beaucoup. Je vais prendre le micro. Merci, s'il faut aide.
encore une fois, d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous faire encore une fois voyager dans l'histoire et la philosophie des sciences. Et je te réitère encore une fois ce remerciement, puisque je te l'ai dit à plusieurs reprises, tu le fais toujours de manière excellente, avec une éloquence qui t'est habituelle et manifeste et extraordinaire. Je reviendrai certainement au temps fort de cette présentation très succincte du livre et de cette histoire et de cette philosophie des sciences. Et après, en te posant quelques questions, et je donnerai l'occasion également à la salle d'en poser d'autres. Mais je commencerai par une question qui m'est à la base évidente, avant d'attaquer le livre et son contenu. Pourquoi ce livre, maintenant ? Alors, parfois on porte des livres en soi pendant des années, et un jour on se dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et en fait, comme je l'ai dit d'ailleurs au début, c'est un livre qui vient de très loin. C'est-à-dire, quand j'étais en 6e ou en 5e, à l'IOT, on avait un professeur qui s'appelait M. Derderian, qui un jour, comme ça, un professeur de maths, qui nous faisait très peur d'ailleurs, alors qu'il était probablement très gentil, et qui un jour nous dit, comme ça, la plupart des grands mathématiciens étaient fous. Lui-même était mathématicien. Bon, c'est pas un grand mathématicien, mais c'était un prof de maths. Et à ce moment-là, moi qui étais pourtant d'une timidité maladive, je lui dis spontanément pourquoi. Et lui, au lieu de me répondre, il me dit, mais on ne sait pas pourquoi. Et il ajoute, mais on compte sur vous, mon jeune ami, j'avais 12 ans, 11 ans, pour nous le dire. Alors, tout le monde, à cet âge-là, les enfants sont très cruels. Tout le monde se met à se moquer de moi, etc. Et je rougis, j'ai très honte. Et finalement, cette question, je l'ai toujours portée. C'est-à-dire, chaque fois que je lisais des biographies de mathématiciens, bon, parfois je tombe sur des mathématiciens qui sont très normaux, entre guillemets. L'un des plus grands, Euler, est quelqu'un de très normal. Descartes, quelqu'un qui a mené une vie très rangée. Pas un seul grain de folie chez Descartes ni chez Euler. Mais de temps en temps, on tombe sur quelqu'un qui manifestement, par exemple Bernard Riemann, ça n'allait pas très bien dans sa tête, Cantor, dont je parle beaucoup dans ce livre, Georg Cantor, a fini en asile psychiatrique. Et Cantor, c'est celui qui a apprivoisé l'infini. Et chaque fois que je tombais là-dessus, je me souvenais de la question, de l'injonction de M. Derderian, qui me disait, vous nous expliquerez ça, mon jeune ami. Et je me disais, ah, j'aimerais bien parler de Cantor, j'aimerais bien. Et puis, il y a 2 ans, 3 ans, je me suis dit, bon, c'était pendant les vacances, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, je vais me lancer. Et là, donc, j'ai commencé à ramasser toutes mes idées sur le sujet, tout ce que je savais, et je suis allé réellement faire de la recherche. Et c'est là que j'ai commencé à trouver des choses extraordinaires. Par exemple, le fait que Christopher Marlowe, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son Faust, il met Ibn Rushd au centre de l'ambition faustienne. Et là, j'étais absolument ravi. Et quand je découvre que dans sa lettre à la grande duchesse de Toscane, Galilée cite intégralement Ibn Rushd, en tant que Marocain, là, j'ai été ravi, fasciné. Je regrette que Mohamed Abdel-Jabri ne soit plus parmi nous, parce que j'aurais bien aimé aller avec beaucoup de respect lui dire, est-ce que vous saviez, monsieur le professeur, qu'Ibn Rushd est très important chez Christopher Marlowe, qu'il est très important chez Galilée. Et donc ça m'a encore plus stimulé, parce que je me suis dit, quand on parle avec des étudiants marocains, en général, ils sont très, très ouverts, brillantissimes. Là, je félicite d'ailleurs l'OCP pour les 6 médailles d'or que nos Marocains ont eues aux Olympiades des mathématiques. Mais il y a quand même une certaine, un certain regret que lorsqu'on parle des grands de la pensée, il y en a finalement très peu qui portent des noms qui ressemblent aux nôtres. Et donc, quand au cours de ma recherche, j'ai compris à quel point Ibn Rushd avait été important dans ce sujet qui m'intéressait, ça m'a encore plus stimulé pour finir le livre. Et ça a été énormément de travail, vraiment des soirées, des week-ends, des semaines, etc. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait, parce qu'une fois que c'est fait, tu n'as plus à le faire, c'est fait. Là, je suis content. Est-ce que
le fait d'écrire ce livre n'est pas aussi une tentative de ta part de réconcilier entre les sciences exactes et les sciences humaines? Est-ce que ce n'est pas aussi un appel à une prise de conscience? Oui, mais tout à fait. Tout à fait, et j'en avais le sentiment, déjà quand on était en maths sup, donc à l'IET, j'étais avec des gens très brillants, et si je commençais à citer les noms, vous reconnaîtriez beaucoup de gens en fait. Mais ce que je déplore, c'est qu'il n'y avait que 3 ou 4 qui lisaient autre chose que des livres de maths. Donc j'étais toujours, il y avait un gars qui s'appelait Saïd, tu te souviens? Saïd Haïd, qui est devenu journaliste, je crois. Il y avait Hamid Douche peut-être, il y avait moi. Amina, je ne sais pas si tu lisais, mais après elle s'est mise à lire de la poésie arabe, des choses comme ça. Mais j'ai toujours été frappé par... Mais en plus, c'était évident, on ne pouvait pas non plus faire autre chose, parce que 24 heures, il n'y a que 24 heures dans la journée, il faut aussi dormir, on avait des programmes démentiels en maths sup, maths spé. Et j'ai toujours voulu me réconcilier avec ça, et c'est vrai. Et donc, mais ça va plus loin. C'est que maintenant, je me dis, c'est pas que je me réconcilie, moi, dans mon coin, parce que ça me fait plaisir... Mais je me rends compte que c'est central, c'est fondamental. On ne peut pas former d'excellents ingénieurs, d'excellents scientifiques, etc., s'ils n'ont pas aussi une certaine compréhension de la philosophie des sciences. Par exemple, ne serait-ce que ça, ce dont je parle très souvent, cette espèce de dialogue entre Platon et Aristote, c'est réellement fondamental. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai commencé avec le jeu du ballon, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes... On est nous-mêmes platoniciens ou aristotéliciens sans même le savoir. Mais c'est bon de le savoir, parce qu'après, ça peut nous renseigner sur nous-mêmes et ça peut nous indiquer la voie pour continuer à réfléchir sur ce que nous faisons. Parce que faire sans réfléchir sur ce qu'on fait, là, ça n'a aucun intérêt. Et donc, c'est une réconciliation, pour finir, qui porte pas simplement sur moi, j'ai envie de me... Ça, c'est mon truc, sinon je n'aurais pas écrit un livre pour le publier. J'aurais simplement fait le truc dans ma tête. Mais c'est pour indiquer cela. Ce n'est pas du luxe de faire, quand on est ingénieur, scientifique, etc., de faire aussi à côté le maximum de sciences sociales, de philo, etc. C'est pas du luxe. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'exercice que tu fais, et même dans le livre, pour moi qui est de formation littéraire, il m'était vraiment difficile, c'est pour ça que je disais en introduction, que j'étais un petit peu fou en lisant, parce que j'étais vraiment perdu, je ne connaissais pas du tout ces formules-là, j'étais ignorant en la matière, mais j'ai appris énormément de choses. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est que tu privilégies beaucoup cette approche historique, c'est une approche méthodologique et pédagogique certainement, mais avec, encore une fois, cette approche historique. Tu invites l'ensemble des enseignants à peut-être amener leurs étudiants à peut-être se mettre dans la situation de ces gens-là, de ces génies qu'a connu l'histoire, et par-delà, certainement, ils vont pouvoir les encourager et les motiver à aller plus loin dans ces disciplines. Oui, alors là, pour moi, c'est très important. Et d'ailleurs, mes élèves, mes étudiants à l'université d'Amsterdam, ils se moquent de moi, ils m'appellent Monsieur La Flèche, en néerlandais. Pourquoi Monsieur La Flèche? C'est parce que je commence tous mes cours en mettant une flèche du temps sur le tableau, une grande flèche, et je mets les dates les plus importantes. Quel que soit le cours, je commence à mettre des dates très importantes. Par exemple, je ne sais pas, si tu fais un cours de politicologie ou quelque chose comme ça, tu vas mettre 1789, Révolution française. Tu fais un cours d'histoire de l'art, tu vas mettre Rembrandt, 1606, 1669, Velázquez, 1599. Il faut mettre ces dates. Pourquoi? Et c'est pour ça que je ne comprends pas d'ailleurs les gens qui enseignent l'histoire sans mettre les dates. Parce qu'en fait, tout ça, ça se répond. Et là, on arrive de nouveau à ce que je disais sur les sciences sociales et les sciences exactes qui ne devraient pas être séparées. Quand il y a une découverte, il faut bien voir ça. Quand Voltaire, par exemple, Voltaire, on n'a pas l'impression que c'est un mathématicien, on est d'accord? Bon. Voltaire, à un certain moment, il se sauve de France. Et il va en Angleterre. Il passe 3 ans. Et il découvre quoi? Il découvre Newton. Il découvre les principes mathématiques, qui sont en latin. Et lui, il lit le latin. Il est tellement enthousiaste qu'il rentre en France et il demande à son amie Madame du Châtelet, qui est femme et mathématicienne, brillante, il demande à son amie Madame du Châtelet de traduire Newton en français. Et pourquoi il fait ça? C'est ça qui est extraordinaire. C'est parce que, bien que lui-même littéraire, entre guillemets, il a compris l'intérêt de Newton pour la politique.
Alors qu'a priori, on dirait que ça n'a aucun sens. Mais non, mais lui, Voltaire, voit très loin. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'avec Newton, il va détruire Descartes. Ce qui est bizarre, que Voltaire, lui, veut détruire Descartes d'une certaine façon. Mais pourquoi ? Parce que dans cette fameuse phrase, hypothèse non figo, etc., quand Voltaire se rend compte que Newton a accompli le programme d'Ibn Rushd et de Galilée, c'est-à-dire qu'il a définitivement séparé la science de la théologie. Newton se rend compte du fait que maintenant la théologie va perdre son monopole de la vérité. Or, le grand ennemi de Voltaire, c'était l'Église. L'Église catholique, il l'appelait l'infâme. Et qui exerçait, avec les jésuites en particulier, un monopole sur l'enseignement. Et l'Église avait le monopole de la vérité. On s'en disait, hors de l'Église, point de salut. Voltaire se rend compte que ce que Newton vient de faire, c'est que définitivement, il a montré que la vérité appartient aux sciences profanes et pas à la théologie. Et donc, Voltaire voit le lien. C'est pour ça que la flèche du temps est intéressante. On voit Newton, exactement à quelle époque, qui succède à Galilée, qui succède au moment où Ibn Rushd a été bien assimilé et est passé dans la doctrine de l'Église. On voit tout cela et on voit tous les rapports. Sinon, on ne comprendrait même pas qu'est-ce que Voltaire va s'embêter à lire un bouquin de physique et à le faire traduire par Madame du Châtelet. Et on le comprend quand on voit que ce qui arrive en 1789, c'est la Révolution française. C'est donc définitivement certaines vérités profanes, déistes, qui va prendre le pouvoir, qui va combattre l'Église. Ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Ça va se finir en 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est très curieux que ce soit un bouquin de physique purement mathématique, celui de Newton, qui pour Voltaire va donner le coup de grâce à cela. C'est pour ça qu'il faut toujours voir l'histoire avec la flèche du temps. Et je me fiche bien de ce que mes étudiants m'appellent monsieur la flèche. Je leur dis, moquez-vous tant que vous voulez, mais écrivez aussi des flèches au tableau. Ce que je constate également, c'est qu'il n'y a pas que l'approche historique que tu mets en avant, mais également l'attitude scientifique. Je me rappelle, il y a une année, quand on avait tenu cette fameuse conférence sur, encore une fois, les sciences exactes et les sciences humaines, tu avais dit, et je te citerai, que cette attitude scientifique n'est pas propre des scientifiques. Et que ce qui est important, ce n'est pas d'être mathématicien, physicien, ou sociologue, ou anthropologue, ou historien. L'essentiel, c'est que ce qui importe, c'est que l'attitude soit une attitude d'humilité. D'humilité, de recherche des faits, de recherche de régularité, surtout, qui consiste à dire, après avoir écrit un article, voilà où j'en suis, et que ce n'est pas la vérité absolue. De ce point de vue, encore une fois, revenons à Platon et Aristote. On est encore dans ce débat. Quand Aristote va s'installer parmi les pêcheurs dans le lagon, et il attend toute la journée que les pêcheurs reviennent avec les poissons, et il les achète, il les découpe, c'est de l'humilité, d'une certaine façon. Aristote dit, je ne sais pas ce que c'est qu'un poisson, mais je veux voir. Et donc, il va... Et quand il, c'est exactement cette attitude. Et là, il faut opposer quelque chose que on devrait toujours bien opposer, c'est l'attitude idéologique et l'attitude scientifique. L'attitude idéologique, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est de prendre une idée, une seule, et d'en faire l'absolue vérité, de ne jamais d'ailleurs la soumettre à un examen critique, et de tout faire pour faire rentrer les faits dans ce cadre-là, de cette idée-là. C'est une attitude qui n'est pas scientifique. En revanche, l'attitude scientifique consiste, et là, de nouveau, c'est une citation de Henri Poincaré, il dit « La vérité ne doit jamais se soumettre. La vérité ne doit jamais se soumettre ni à un parti, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit. La vérité ne doit pas se soumettre. » Et la vérité, c'est, de ce point de vue, c'est quelque chose qui est toujours recommencé. C'est-à-dire, on est en train d'être, avec les faits qu'on a, on va les approcher de telle façon. Et si les faits, de nouveaux faits apparaissent, eh ben on va modifier les choses. D'ailleurs, l'équation d'Einstein, finalement, Einstein a généralisé Newton d'une certaine façon. Il a pris Newton et il l'a généralisé. Alors, Newton était valable pendant deux siècles et toujours valable maintenant pour les petites vélocités, choses comme ça, mais il va plus loin. Donc même quelque chose d'aussi extraordinaire que le Principia Mathematica de
de Newton est appelé à être dépassé par Einstein. Aujourd'hui, peut-être dans cette salle, il y aura le prochain prix Nobel marocain, je l'espère fortement, car l'OCP aura à ce moment-là un panneau à Stockholm, grâce à l'OCP, prix Nobel marocain de physique. C'est celui ou celle, ici, qui arrivera à dépasser Einstein en intégrant la fameuse matière noire et la fameuse énergie noire, dont on ne sait pas du tout ce qu'elles sont, mais dont on sait que c'est à peu près 90 à 95% de ce qu'il y a dans l'univers, alors que l'équation d'Einstein, d'une certaine façon, représente l'univers qu'on peut observer. Et donc, chaque fois, on va vers un dépassement. Mais là, il y a une attitude qui est les deux, une attitude d'humilité en disant « je suis amené à être dépassé de toute façon ». Et une attitude d'ambition aussi. Mais j'apporte ma pierre, j'apporte... Et ça, c'est l'attitude scientifique. Et c'est exactement le contraire de l'attitude idéologique qui consiste à poser un truc sur la table et ne plus bouger en disant « ça, c'est la vérité et je ne bouge pas de là ». Ce sont deux mondes différents, en fait. Ce sont deux mondes différents. Alors, tu nous as montré et démontré que ce soit... Oui. Oui, bien sûr, c'est prévu. Je pose une question et je passerai à la salle. Parce que les gens, effectivement, tous ceux qui nous entourent et ceux qui nous regardent, effectivement, n'ont pas lu le livre. Ce qu'on essaie, en fait, de dire aujourd'hui, oui, de les rapprocher un petit peu du livre. Je vous rejoins parfaitement, Sissou El. On passera la parole à la salle, mais je voudrais quand même poser une autre question. Ça vous permettra aussi de poser ces questions-là. Oui, c'est vrai. Parce que le livre, il est un peu compliqué, donc il faut absolument donner envie de le lire. Tu as démontré, que ce soit dans le livre ou même dans ta présentation, qu'un certain nombre, une grande majorité quand même de ces génies, des mathématiques, qui ont basculé à un moment donné de leur vie vers la folie. Il y en a même qui ont eu des comportements délictuels, même criminels, ou d'autres qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes et qui se sont isolés de tout contact humain. Et dans le livre, tu distingues finalement entre trois types de folie. Une folie qui a été atteinte par ceux qui ont voulu se mesurer à Dieu, qui ont voulu se mesurer à Dieu dans une quête de l'infini, d'autres qui ont voulu voir sa face dans la vérité absolue, et deux et des troisièmes qui ont voulu le dépasser. C'est toujours, effectivement, et là je vais faire court pour passer la parole au futur prix Nobel qui est là-bas quelque part. Mais tu as raison, parce que j'ai divisé en trois grandes parties, je vais faire court. La première partie de cette folie, c'était effectivement, depuis les temps les plus anciens, la notion d'infini. Et les mathématiciens ont cherché à comprendre l'infini, malgré l'interdiction d'Aristote. Aristote avait déjà compris que ce n'était pas possible. Donc il avait dit, ne cherchez pas l'infini actuel, l'infini potentiel, c'est possible. Et beaucoup de... ça fait des drames. L'Église a aussi interdit de chercher l'infini. Il a fallu Cantor, qui a réellement fait la théorie des ensembles, la théorie de l'infini avec les transfinis, les cardinaux, etc. On pourrait en parler pendant des heures, mais on ne va pas le faire. Et ça, c'est un premier type de folie. Donc, il est mort à l'asile psychiatrique. Ceux qui voulaient l'équation, donc être dans la tête de Dieu, l'intellect, donc les équations comme celle-ci, comme l'équation du monde d'Einstein. Et maintenant, il y a une forme d'infini qui est celle de Perelman, de Grothendieck. Ce sont des gens qui ont dépassé l'univers. Il était à trois dimensions avant. Chez Newton, il était à trois dimensions. Avec Einstein, il est à quatre dimensions. Avec la physique des cordes, il est peut-être à 10 ou 11 dimensions, on ne sait pas très bien, mais eux, ils travaillent sur des dimensions 60, 70, des dimensions infinies. Donc, ils sont réellement au-delà de tous les mondes possibles. Et là, d'une certaine façon, il y a une espèce de dépassement de Dieu. Et c'est là la fameuse notion d'hubris, d'orgueil chez les Grecs anciens. Ils sont tous punis. Et juste pour finir, il y a cette phrase extraordinaire de Cédric Villani, le député français qui est Medaille Fields, qui est un mathématicien un peu fou avec ses vêtements excentriques. J'ai lu son livre qui s'appelle Théorème. Sur 250 pages, il explique un théorème. Et à un moment, il dit cette phrase extraordinaire, qui est très belle. Il dit, dans ma thèse, j'ai démontré l'existence d'objets impossibles.
Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai démontré l'existence d'objets impossibles. Et c'est une phrase de Villani. Et là, c'est l'illustration de la folie qui consiste à dépasser toutes les bornes, à dépasser Dieu, puisque Dieu s'est contenté de 3, 4 ou 11 dimensions pour faire tout l'univers, mais eux, ils travaillent sur 50 dimensions, ou même des univers à dimension infinie, tant qu'on y est. La folie. Et maintenant, on passera. On passe à la salle. Qui voudrait prendre la parole en premier? Et je suis finalement... Oui, allez-y. Merci. Au début, je vous félicite pour cette présentation, ainsi que la nouvelle œuvre. Et ce que je voudrais citer, une formidable phrase que vous avez citée au premier, c'est que si on néglige le côté science exacte, on ne va rien comprendre dans le monde. Et si on néglige le côté... science humaine, on ne va pas comprendre l'être humain. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, que cette répartition et fragmentation des différents domaines, soit scientifiques ou bien humaines, est la principale cause de l'échappe de cette vérité qui est toujours unique? Et même dans le domaine scientifique, la plupart des scientifiques cherchent toujours une équation qui va vraiment unifier tout le monde. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est effectivement cette séparation qui s'est faite assez récemment. Parce que, comme vous savez, les grands, à commencer par les grands Grecs, les Platons, parlaient de tout. Même Descartes essayait de parler de tout. Il a fait un traité des passions, par exemple. Descartes, il faisait des maths, il a inventé les coordonnées cartésiennes. Et en même temps, il faisait un traité des passions. Donc, c'est une attitude récente, et je suis d'accord avec vous. C'est réellement quelque chose qui a des conséquences qu'on a tendance à sous-estimer, des conséquences assez graves, et maintenant qui relèvent du domaine de l'éthique. C'est-à-dire, vous savez que quand les Américains ont fabriqué la bombe atomique, beaucoup de savants, certains savants avaient une attitude qui consistait à dire « ça ne me regarde pas ». Moi, je fais juste de la physique dans mon coin, etc. Et d'autres ont commencé à se sentir vraiment concernés par le résultat de leur travail de scientifique sur autre chose, qui était effectivement la guerre, par exemple, le massacre de gens, les choses comme ça. Donc, l'éthique est devenue une sorte d'intersection entre les deux. C'est pour ça que je le répète, pour avoir vraiment une vision complète, c'est-à-dire d'essayer de comprendre à la fois le monde et les hommes, il faut avoir les deux, s'efforcer d'avoir les deux. Ça ne veut pas dire, parce que c'est impossible, que tout le monde doit absolument connaître Lévi-Strauss, Foucault, Chomsky, etc. C'est pas possible. Il faut simplement d'abord savoir que ces disciplines existent. D'abord, par exemple, l'anthropologie, c'est passionnant. Mais savoir que l'anthropologie existe, c'est déjà une avancée. Et savoir quels sont les grands domaines de recherche dans toutes ces sciences humaines, pour ceux qui ne sont pas dans les sciences humaines, et dans les sciences exactes, parce que ça marche dans les deux sens. Donc, déjà dans les années 50, je vais finir rapidement, il y avait un Anglais qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les deux sciences », un gars qui s'appelait, je me souviens bien, C.S. Lewis. Et lui, il était à Oxford ou à Cambridge, et déjà à l'époque, dans les années 50, il avait dit que le drame du XXe siècle, c'était qu'il voyait ses collègues, donc à Cambridge, je crois, ou à Oxford, et il voyait ceux qui faisaient des maths et de la physique et des choses comme ça, qui ne parlaient pas avec ceux qui faisaient des humanités, c'est-à-dire du latin, du grec, des choses anciennes. Ils ne se parlaient pas. Et il disait, ce qui est curieux, c'est que chacun des deux groupes croyait réellement posséder la vérité. C'est-à-dire ceux qui étaient dans les humanités anciennes pensaient connaître la vérité et ceux qui étaient dans les sciences pensaient connaître la vérité. Et l'idée que peut-être la vérité c'était un panaché des deux, ça ne les effleurait même pas. Donc, je suis d'accord. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. Vous avez parlé du maths, vous avez parlé des sciences humaines, vous avez parlé de l'histoire du maths avec les savants arabiens et les autres savants. C'était vraiment très intéressant. Ma question, c'est une question de curiosité. Je veux juste savoir, monsieur, à quel point vous pensez que le mathématique est une science qui est exacte et en même temps une science abstraite.
réussi à découvrir l'infinité des mondes. On est devant un monde qui est créé par une grande intelligence et un monde qui arrive jusqu'à l'infini. À quel point les mathématiciens arrivent à expliquer cette création? Est-ce que vous pensez aussi que un jour les mathématiciens arrivent à expliquer l'infinité de l'existence humaine avec des équations mathématiques? C'est une question très intéressante. Et là, j'ai besoin d'à peu près 2 heures pour y répondre. Non, je ne vais pas le faire en 2 heures. Mais c'est une très bonne question. Mais on peut y répondre assez simplement, curieusement. Et je repars de ce que je disais sur Newton. Donc, dans la préface à la 2e édition de Principia Mathematica, il avait ajouté une préface, justement, et dans laquelle se trouve cette fameuse phrase « hypothèses non fingo ». Je ne fais pas d'hypothèse. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que il ne parlait pas du pourquoi des choses, il montrait le comment des choses. Donc il montre comment l'univers fonctionne. Donc il y a des masses, des planètes, des trucs, il voit comment ça tourne, les ellipses, tout ça, il montre. Et donc il intègre les équations de Kepler, il intègre Copernic, il montre comment. Mais il ne parle pas du pourquoi. Mais ce qui est très intéressant, il faut vraiment le comprendre, il n'était pas athée. Newton n'était pas athée. Il croyait réellement en Dieu. Simplement, il avait fait la différence. Il disait, le comment, c'est ce que nous, mathématiciens et scientifiques, c'est ce qui nous concerne, nous. Le pourquoi, c'est autre chose. Donc là, il y a une séparation entre la théologie et la science qui a été extrêmement productive, cette séparation, en particulier pour les Européens. Donc, pour répondre à votre question, jamais les mathématiques, à mon avis, ne répondront au pourquoi. Ni la physique ni la mathématique ne répondent au pourquoi. Quand vous voyez l'équation du monde là-bas, l'équation d'Einstein de la relativité générale, elle donne d'une certaine façon la vérité du monde en ce sens qu'elle dit comment, à chaque point de l'univers, vraiment chaque point, le bout de mon nez par exemple, chaque point de l'univers, quelle est sa courbure, c'est-à-dire si on lance un objet, exactement comment il va se comporter cet objet, et que ici, la courbure de l'univers, ici, elle est donnée par un tenseur de toutes les masses et énergies. Mais c'est le comment de l'univers. Mais pourquoi c'est comme ça? Non. Jamais. Alors, maintenant, il y a 2 attitudes. Il y a ceux qui, comme par exemple Louis Pasteur, étaient catholiques, il allait à la messe tous les dimanches, comme Newton qui était chrétien, anglican, etc., qui disent qu'il y a un comment et un pourquoi, et que la science s'occupe du comment et la théologie du pourquoi. Ça, c'est une attitude. Il y a une autre attitude qui est celle du fameux Stephen Hawking qui dit qu'il n'y a pas de pourquoi. Que le pourquoi est une maladie de l'être humain, de l'intelligence humaine, qu'il n'y a que le comment. Et qu'une fois qu'on a fait, vous parliez de l'équation ultime, c'est exactement la dernière phrase du livre de Stephen Hawking qui s'appelle Une brève histoire du temps. Il dit le jour où on arrivera à faire une équation qui contient l'équation du monde d'Einstein et la mécanique quantique, la physique quantique de l'infiniment petit, si on arrive à faire cette équation, Stephen Hawking finit son livre en disant « Ce jour-là, nous contemplerons la face de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a plus de pourquoi, il n'y a que le comment. Donc il y a 2 attitudes là-dessus, et ce sont des attitudes qui nous permettent d'avancer. C'est-à-dire que ce sont des attitudes qui permettent aux croyants, aux incroyants, à ceux qui doutent, aux agnostiques, à ceux qui disent « je ne sais pas », ça leur permet de travailler ensemble. Parce que vous travaillez tous sur le comment. En tant que scientifique, il n'y a pas un seul scientifique qui travaille sur le pourquoi. Pas un. On travaille tous sur le comment. Sur le comment. Il y a un très beau poème d'Aragon qui s'appelle « Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas ». On peut dire ça pour les ingénieurs, pour les scientifiques, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, peuvent travailler ensemble parce qu'ils travaillent sur le comment. Et le pourquoi, c'est une affaire personnelle. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être ici parmi nous, donc à l'université. Merci. Donc, vous avez parlé aujourd'hui des sciences exactes, ou plutôt les sciences mathématiques. Et donc, comme ce qu'on sait donc à l'époque, les maths, c'est la science des équations complexes, des théorèmes tridimensionnels. Oui,
etc. Donc, mon question, c'est que comment peut-on considérer que les maths est un domaine dans lequel il n'y a pas ni de chiffres ni de démonstrations, et comment alors donc avoir le maths donc participe à définir donc les sciences humaines et devenir une pente entre les cultures. Les maths. Oui. Donc, la dernière phrase c'était qu'ils font un pont entre quoi? Entre les cultures. Entre les cultures. Entre les cultures, oui. Alors ça c'est quelque chose justement qui est... Vous voyez bien qu'on arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant dans les sciences exactes qui serait aussi intéressant pour les sciences humaines d'une certaine façon. Voilà quelque chose qui est intéressant. Ça me rappelle le mathématicien indien, le génie qui s'appelait Ramanujan. Vous savez, c'est quelqu'un qui était autodidacte. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études et qui un jour envoie une lettre dans les années 20. Il envoie une lettre au plus grand mathématicien de l'époque. C'est un anglais qui s'appelait Hardy. Et dans sa lettre, Ramanujan envoie plein de théorèmes de mathématiques. Sans démonstration, c'est important. Et Hardy regarde cette lettre, il la jette au panier, il ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que ça. Et il reçoit une autre lettre en fait, de Ramanujan avec d'autres résultats de mathématiques. Et il la montre à son collaborateur qui s'appelle Littlewood. Et Littlewood regarde, il revient chez Hardy, il dit ce type-là, c'est soit un charlatan, soit un génie. Et il lui envoie de l'argent pour venir à Cambridge, et un jour débarque cet homme-là, qui est d'une autre culture. On arrive à cette histoire. Ramanujan arrive, c'est un jeune Indien, qui est absolument génial. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur lui il y a 2 ans, qui est un peu romancé à la façon d'Hollywood, mais enfin. Et donc, il l'installe à Cambridge. Et cet homme-là continue de produire des théorèmes sans démonstration. Et un jour, Hardy lui dit, écoutez, et Ramanujan dit, Hardy, publiez mes résultats parce que je vais être membre de la Royal Society, ce qu'il va finir par devenir. Mais Hardy lui dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que toi, tu fais des résultats sans démonstration. Mais ce n'est pas ça les maths, il faut démontrer. Bien. Et là, on s'aperçoit du conflit culturel qu'il y a entre les deux. Parce que Ramanujan était un hindou. Hindouiste, un hindou, tu vois. Et c'est quelqu'un qui croyait réellement être en contact avec l'esprit de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de Platon, de la prophétie, etc. Et que Ramanujan disait à Hardy, mais c'est la vérité, ce sont des théorèmes qui sont vrais. Mais Hardy lui disait, oui, mais moi je passe des semaines avec mon ami Littlewood à démontrer ce que tu nous amènes le matin. C'est à toi de nous démontrer. Et Ramanujan disait, mais c'est pas la peine de démontrer puisque c'est vrai. Donc ils avaient une discussion. Mais à la fin, et c'est ça que je trouve beau, ça a rapproché les deux cultures. C'est que d'une part, Ramanujan a fini par comprendre l'importance de la preuve, de la démonstration. Et donc il a commencé à apporter des résultats démontrés à Hardy. Et que lorsque Ramanujan est mort, très jeune, à 37 ans, il a pris froid, il est mort, à la fin de sa vie, Hardy a dit que l'homme le plus extraordinaire, le plus intelligent, le plus génial qu'il ait jamais rencontré, c'était Ramanujan, justement. Et il pensait, Hardy, qu'il lui n'était pas du tout religieux. C'était un homme qui était totalement agnostique, en fait, peut-être même athée. Mais il a été très touché